poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's Caballero. The Emperor of the Far West, ready to get revolver and he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone, he's a cowboy, poor and lonesome. Pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Walter, la location de ce train nous coûte une fortune, sans parler de la montgolfière. La fin justifie les moyens, John. Parlons-en de la fin. Faire évader les Dalton. Tu as vraiment perdu l'esprit, Walter. John, si nous voulons que les Dalton attaquent ce train et se cassent les dents sur notre dernier modèle de coffre-fort, il faut bien les sortir du pénitencier où ils sont enfermés. Tu te rends pas compte, ce sont les pires bandits de l'Ouest. Précisément, pour prouver l'inviolabilité de notre coffre-fort, il faut les pires bandits de l'Ouest. J'ai déjà le slogan. Closed et Closed, le coffre qui n'a pas peur de personne. Pas même des Dalton. Ça, c'est original. Ne t'inquiète pas, John. Bientôt, l'Amérique entière s'arrachera nos coffres-forts comme des petits pains. Walter, qu'est-ce que je fais du journaliste? Fais-le patienter. Offre-lui un buffet. Les journalistes adorent les buffets. Tout ça va coûter cher. Pense aux retombées, John. Pense aux retombées. Il y a des mots qu'il ne devrait pas prononcer. J'ai pas confiance. Alerte, les prisonniers s'envolent. On va être trop lourd pour décoller. Faut larguer du lest. Dégagez. C'est notre invasion. On est trop lourd. Avril, tu vas pas rester comme ça.
Si, je me trouve très bien, moi, avec mes piquants. Alors, vous avez réfléchi? Un train avec un coffre plein d'or. Un petit coffre de rien du tout. Pour des bandits tels que vous, ce sera un jeu d'enfant. Non. Ah! Comment ça, non? On va mettre les points sur les i, pieds tendres. Ici, celui qui a des idées, c'est moi. Alors, mon idée à moi, c'est qu'on va attaquer la banque de Trigulch. Ah ouais, je l'aime bien, celle-là. La banque de Trigulch? Ouais, pieds tendres. Et comme je suis pas un ingrat, pour te remercier de nous avoir fait vader, je te laisse la vie sauve. Aïe! Aïe! Mon fin, Avril. Pourquoi tu gardes tes épines de cactus? Parce que... Ils attaqueront ce train ou je ne m'appelle plus Walter Closed. Rentemplant, on ne fait pas ami-ami avec un putois. Ce chien ne nous aura rien épargné. Mon flair de fin limier décèle comme une très légère odeur. Ça me rappelle l'eau de toilette du directeur du pénitencier. Cette histoire d'évasion en ballon me turlupine. C'était pas le genre des Dalton d'avoir un complice. Trigulch, 75 âmes, 1250 colts. On va les attendre ici. Ils ont toujours eu un faible pour la banque de cette ville. Andy, il serait temps que tu prennes ton bain annuel. On peut pas te laisser empester de la sorte, mon vieux rentemplant. Moi, je trouvais que cette odeur lui donnait du caractère. Alors bon, qu'est-ce que j'ai fait du savon? Je résiste jamais à un nougat. C'est pour un retrait, je suppose. Ça a changé ou je me trompe? Non, non, monsieur Dalton, vous ne vous trompez pas. Suite à votre dernière visite, nous avons dû reconstruire le bâtiment. Les chevaux! Où sont les chevaux? Ces pauvres bêtes étaient assoiffées. Je les ai amenées à l'abreuvoir. Vous n'avez aucune chance, vous le savez bien. Rendez-vous. Jamais. C'est vrai ça, Joe. Il finit toujours par nous avoir. Autant se rendre à l'évidence, Joe, et se rendre tout court. Ouais, au pénitencier. C'est l'heure de la soupe. Psst. Si vous promettez d'attaquer le train, je vous envoie l'échelle. Hein? C'est ce qui s'appelle un vol à main armée. Jouer avec la grosse baballe. Ils sont trop loin maintenant. Donc, si nous reparlions de ce train avec ce coffre plein d'or... Joe, Lucky Luke. Vite, il faut larguer du lest. Aidez-moi si vous voulez que nous le semions. Mais il est bête à bouffer du foin. Pire, du bois, des cailloux, du charbon. Aïe, 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 aïe. Pas si bête que ça. Il y a un truc qui m'échappe. Et quatre affreux par la même occasion. Oh, ma grosse baballe. On la semait, Lucky Luke. Quelle merveilleuse machine. Comment ça marche? Ça, c'est le brûleur qui commande la combustion du charbon en envoyant l'air chaud dans l'enveloppe, ce qui maintient le ballon dans les airs. Oui! Ah bah oui, ça brûle, c'est le brûleur. Ça, c'est la soupape qui libère de la vapeur pour redescendre. Joe, pense au bicon! Oh!
Et pour monter, vous lâchez du lest. C'est simple. Tout à fait. Saute. Mais vous avez promis de... Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Saute. T'as le choix. C'est le corps tout entier qui saute ou seulement la cervelle. Ah, ça marche. Joe, t'as compris ce qu'il a dit? Bien sûr. La soupape commande le charbon qui enveloppe la vapeur dans le brûleur. Rien de plus simple. Le noir homme du ciel a bien voulu s'enduire lui-même de goudron. Nous allons modestement finir le travail et le couvrir de plumes. Pas de panique, John. J'ai eu quelques imprévus, mais je maîtrise la situation. Les Dalton attaqueront ce train. J'en fais une affaire personnelle. C'est bien ce qui m'inquiète. Allons, John. Pense à toutes ces familles d'Amérique qui auront bientôt un coffre-fort closet chez eux. En attendant, si nous ne récupérons pas le ballon, nous perdons les 20 000 dollars de caution. Et l'autre qui nous ruine un petit peu. Je crois que j'ai trouvé un moyen pour attirer les Dalton vers le train. Aïe. Il faut pas faire ami-ami avec les porcs-épics non plus, en temps plan. J'ai toujours dit que ce chien était complètement piqué. Bon, nous avons perdu la trace du ballon. Maintenant, nous ne pouvons plus compter que sur la bêtise des Dalton pour les retrouver. Comme d'habitude, cowboy. Salat, salat, Amanda Beck vient souhaiter bonne nuit à son frère Soleil. Hein? Oh! Les visages pâlissent! Ils ont volé le soleil! J'ai le mal de mer! Grâce à ce ballon, personne ne pourra nous capturer! Pas même les Kiluk! Nous allons semer la terreur dans tout l'Ouest! La terreur venue du ciel! Les Dalton seront les premiers bandits à voler en volant! Qu'est-ce qu'il a dit de drôle, hein? Qu'est-ce qu'il a dit de drôle? Jeff et Jack! Debout, vite! Plus de charbon, Joe. Ben, j'ai eu un petit creux cette nuit. Allez, à l'attaque. Sus, au voleur de soleil. C'est pas vrai, il a bouffé le charbon. Joe, faut trouver quelque chose à brûler. De l'andouille. On va brûler de l'andouille. Dire que j'étais bête à manger du charbon. Salamandre Beg, notre sorcier, voit-il ce que Marmotte frivole voit? Il n'y a pas de place pour deux soleils dans le ciel. Détruisons le faux soleil des visages pâles. Avec ce ballon, personne ne filera de déculotté au Dalton. Joe, le vêtement d'un vrai ne suffira pas. Joe, c'est quoi ça? Curieux, curieux. Quel étrange individu. J'ignorais qu'il existait des parapluies sauvages. Si on voulait attirer l'attention de quatre Dalton volants, on ne s'y prendrait pas autrement. Ça va marcher.
marcher. Ça ne peut que marcher. Au prix où l'on a dû les payer, ça vaudrait mieux. Oui, il n'y a plus de petit four. C'est sûrement le train plein d'or dont parlait le pied tendre. À quoi tu le vois, Joe? Tu vois pas que c'est doré? Ah, je suis bête, je me demandais où t'avais appris à lire. Les voilà, les voilà. Votre appareil photo, vite! Voilà les Dalton! Les Dalton? Oh, c'était pas prévu! Il était convenu que vous photographieriez des bandits en train d'essayer d'ouvrir notre coffre-fort. Les Dalton, c'est pas le même tarif que le simple bandit! Hein? Soit, mais c'est de l'extorsion. Nous sommes dans l'Ouest, gentlemen. Allons, John. Nous avons récupéré le ballon en parfait état. Tout va aller pour le mieux maintenant. Raté! Attention, Walter, c'est une redingote à $175. Ma redingote? Mais le chauffeur est devenu fou. Pourquoi a-t-il démarré? C'est la première fois que je vois un escalier plat. À tous les coups, il va laisser tomber les Dalton pour cavaler après cet imbécile de chien. Il est comme ça, mon cowboy. Je vole, comme les vaches. Il faut vous attaquer au coffre avant que Lucky Luke ne revienne. Non. Comment ça non? Mais si, si. Personne ne commande aux Dalton ce qu'ils doivent faire. Walter, arrêtons les frais inutiles. C'est idiot de vouloir prouver que les Dalton sont incapables d'ouvrir notre coffre-fort. De quoi? Les Dalton ouvrent n'importe quel coffre. Les yeux fermés, les doigts dans le nez. Il n'y a que moi qui puisse faire un truc pareil. Ne bougeons plus. Bon, allons récupérer nos irrécupérables. Ça marche plus? Pourquoi ça marche plus? Luf, fou soleil, des visages pâles. J'y arriverai. Aucun coffre ne résiste à Joe Dalton. Dynamite.
Ah! Ne bougeons plus. D'une prouesse de quart d'heure, cowboy. Hein? Le coffre. Où est le coffre? Les Dalton. Où sont les Dalton? Eh bien, c'est une réussite. Nous avons prouvé que le coffre-fort Closed résistait à tout, même aux Dalton. Croûte des uns fait le pénitencier des autres. Allez, en route, les garçons. Les gazettes russes de l'époque font état d'une vague d'immigration inexpliquée de sauvages américains dans la région de Saint-Pétersbourg. I'm a poor lonesome cowboy. Chapeau Bunhus. Es Caballero. The Emperor of the Far West. When he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Mais quelle merveille ce nouveau système de sécurité! Fabriqué par la Look and Lock à Brain Valley, les mêmes qui ont conçu le système de Fornox, la banque des banques. Un colis de Mad Dalton pour ses poussins. Mon gâteau préféré. Ah, la fève est pour moi. De toute façon, ce n'est pas avec ces outils préhistoriques que tu vas forcer le système le plus moderne du monde. Mais où est Avril? Avril, rentre immédiatement! Juste un dernier coup! J'ai pas fini mon caillou! C'est joli! Ça brille dans le noir! Un jour, je détruirai ce pénitencier pierre par pierre!
Un rapide calcul permet d'évaluer à environ 112 368 le nombre de pierres de ce pénitencier. Il te faut en moyenne 12h23 pour en casser une. Tu auras donc besoin de 92 766 jours. En travaillant 15 heures par jour. Ça va, Amrel ? Suivez-moi. Comment ce crétin peut-il espérer forcer un système En silence. La foudre, elle l'a rendu intelligent. Ne mélangeons pas. Moi, je suis intelligent. Lui, il est... bizarre. Tout système nous donne 1000 indices de sa structure interne. Le reste est affaire de raisonnement. Ouais, bon, bah, en réfléchissant, hein, j'aurais pu le faire. Voyons, Joe. Tu sais bien que tu es plus impulsif que réfléchi. Peut-être, mais le chef, c'est qui? C'est moi. Pour notre intérêt à tous. Un système inviolable, vous dites? Le plus incroyable, c'est qu'il n'a même pas été forcé. Quelqu'un connaissant le système a pu les aider. Une nouvelle race de friandises géantes. Un employé de la Look and Lock? C'est impossible. La seule piste, c'est Bren Valley. J'ai dit j'y vais. J'ai compris. J'y vais. On fait quoi maintenant? Comme d'habitude, on s'arme au bled voisin et puis on terrorise dans des valises en légumes! Non! Fini de grappiller des petites banques. On va viser grand. Très grand. Fort Knox? Mais avec quelle arme? Le cerveau. Son cerveau? Non, le mien. C'est dur de boire dans un abreuvoir. Ce chien aurait peut-être l'idée de passer par en dessous s'il avait un cerveau. Pas de nouvelles des Dalton. Ça cache quelque chose. Rends ton plan. Tu me rappelles pourquoi on met des habits différents, Avrel? Ça brouille les pistes vu qu'on recherche quatre types semblables, dont un abo furieux. Tu parles de qui, là? Dans les bureaux de la Look and Lock, il y a les plans de Fort Knox. On vole les plans et à nous les lingots. Des montagnes de lingots. Génial. Zéro violence, 100% matière grise. Ce type est la honte de la famille. Lucky Luke est là. Et on n'a pas d'armes, on aurait dû en voler. Non, voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré. Hey, ça va, vous? Et toi qui es si malin, pourquoi qu'il est là, Luke, si on n'a pas laissé de traces? Sa seule piste, c'est la Look and Lock. J'ai pas compris. Ça me donne une idée. Je vais utiliser Luc et m'amuser un peu. Gardez le petit, qu'il fasse pas de bêtises. Notre personnel est irréprochable. Et forcez la Look and Lock. Je ris. Venez plutôt visiter. Votre célèbre colt doit rester ici, monsieur Luc. Surtout, tu me le surveilles. Une petite sieste? En voilà une bonne idée. Bonjour, je suis l'assistant de monsieur Luc. Tiens, un Dalton. Oui, le chien de monsieur Luc vous connaît bien. Le colt le plus rapide de l'Ouest. Je vais en profiter pour le nettoyer.
pour dégainer vite son truc, c'est l'huile. Mais, chut, c'est un secret. Je n'ai rien vu. Il fabrique des bonbons au sucre. J'y vais. Ne lui dites pas que je suis venu. S'il apprenait que je vous ai révélé le secret... Je ne sais rien. Ah, vous me faites penser à quelqu'un. Oui, on m'a toujours dit que je ressemblais à Billy the Kid. Elle est bien bonne. Si je comprends bien, c'est l'autre qui est en prison maintenant. Vous voyez, le responsable de l'évasion des Dalton ne peut venir d'ici. Et pourtant, quelqu'un connaît vos systèmes. Oh, vous permettez. Du sucre. Télégraphe pour monsieur Luc. Les Dalton, stop, ont attaqué, stop, une banque à Cactus Junction, stop. Pour une fois, ça me ferait presque plaisir. Ah, ben, vous revoilà. Mon patron a perdu un de ses éperons durant la visite. Un jeu d'enfant. Il était là. Comment ça, les Dalton n'ont pas attaqué votre banque? Enfin, pas récemment, non, mais ils se sont évadés. On les a évadés, et ce on est en train de mener en bateau. Si vous voyez les Dalton, dites-leur de penser à moi. C'est vrai, une banque qui ne mérite pas d'être attaquée, c'est préoccupant. La bonne blague. Luc ne doit plus rien comprendre. Si t'es aussi génial, trouve un moyen pour qu'on s'en débarrasse définitivement. Ça viendra, petit, ça viendra. J'ai enduit son colt d'huile. Plus une autre surprise. À nous, Fort Knox. À nous, les montagnes de lingots. J'ai faim. On a voulu m'éloigner, mais de quoi? C'est plus facile avec des Dalton bêtes qu'avec des Dalton intelligents, hein, cowboy? On rebrousse chemin. Mais qu'est-ce que tu as, toi, à renifler mon colt? Du sucre. Alors, c'est qui le chef? C'est toi, Joe. Exact. Regardez-le, votre génie. Deux et deux. Je sais pas, Joe. Deux et deux. Trois. Mauvais. Un. Non. Nul. Quatre. Non plus. Alors maintenant, avec mon intelligence, on ravage en écume, on pille. Mais il a tous les plans de Fort Knox, là. Une montagne de lingots, Joe. Il faut le recharger. Juste le temps d'attaquer Fort Knox. Il nous faut un orage. Les Dalton se sont enfin manifestés. Et ce coup-ci pour de bon. Une visite de politesse dans une banque, je suppose. Ils ont enlevé un sorcier indien. Le mystère s'épaissit. Hein? Oh. Du sucre. Tu vas nous provoquer un bel orage, hein? Avec de la foudre! Grenouille heureuse fait la danse de la pluie quand ça lui chante. Il pleut ou c'est les bofs qui vont pleuvoir?
Grenouille Heureuse cède à la menace. Mais pour danser, il lui faut du rythme. Ils ont surgi, ils ont kidnappé le sorcier, ils sont partis et c'est tout. C'est tout? On voit bien que c'est pas le sorcier du visage pâle qui a été enlevé. Grenouille Heureuse n'est pas un simple sorcier généraliste. C'est un spécialiste qui commande aux nuages. Un faiseur de pluie? Lui averse orage, ouragan sur commande avec supplément tonnerre. Et réduction pour temps pourri à partir d'une semaine. Nous voilà bien avancés. Que les visages pâles nous rendent Grenouille Heureuse, sinon ça le tend en perspective. Que Bison Affûté ne monte pas sur ses grands chevaux. Je lui ramènerai son sorcier. Alors, ça vient? Vous jouez faux. Avec ça, je peux tout juste faire la danse des tomates pourries. Oh! Dis plutôt que t'es un escroc, hein? Grenouille Heureuse se souvient comment transformer visage pâle en asticot. Venez, on va trouver autre chose. Le chien a levé un dindon, il tombe en arrêt. Non, Rentemplant, ce n'est pas un oiseau, c'est un indien. Un dindon géant? Les Dalton vous ont relâché. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Des éclairs, gratuits. Des éclairs? Mais pourquoi faire? Les éclairs sont le plus souvent commandés pour allumer le barbecue. Et ils les ont eus, leurs éclairs? Non, car comme dit le proverbe, si tu n'as pas le rythme, tu ne peux pas allumer le feu. Ce qu'il nous faudrait, c'est de l'électricité. De l'électricité. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. De la crème au chocolat ou au café? Je me demande si je le préfère pas intelligent. Des fois, quand on se cogne, ça fait bzzz et il y a un éclair. Il faut trouver autre chose. Les Dalton! Les Dalton! Ils vous ont dévalisé? Ben non, ils m'ont demandé si j'avais de l'électricité, de l'électrique. Enfin, le truc qu'il y a dans les éclairs. C'est donc d'électricité qu'il s'agit. La loutre du visage pâle, elle, elle a le rythme. C'est bizarre, j'entends comme un battement. Avec ce rythme, faire donner la foudre est un jeu d'enfant. Grenouille Heureuse doit filer. J'ai besoin d'une collation. Mais ça, j'ai jamais vu un chien aussi malin. Ça paraît dingue, mais je crois que l'électricité agit bizarrement sur certains cerveaux. Rentemplant, est-ce que... Ça va, j'ai compris. Il faut retrouver les Dalton. Suivez-moi. Si au moins cet idiot n'était pas idiot, il pourrait nous dire comment le rendre intelligent. C'est idiot ce que je dis. Mais tu crois pas qu'à Brain Valley, il y aura un inventeur de machines à estrie, à éclair? Tu t'es cogné, William? Allez-y! Alors, je vais redevenir intelligent? Bon, bon, bon. Tu sais, il n'y a pas que des avantages. Je suis le chef, j'essaie d'abord sur moi! Génial pour forcer Fort Knox. Amène-toi, Vrel. Oh!
Il a peut-être une grosse tête, mais c'est le nez qui travaille. Vois-tu, équidé, flairer n'est pas renifler. Flairer, c'est interpréter, c'est déduire. C'est... Mais tu peux pas comprendre. Je crois que je le préférais avant. Si mon explication tient, Avrel serait à la tête des Dalton. Je me demande comment Joe réagit. Taratata, tu peux bouder, mais je t'ai pris avec moi à condition que tu fasses exactement ce que je te dirai. Je veux de l'or. Tu en auras si tu te tiens bien. Ils ne sont plus là. Pardon ? Ne tirez pas. Ils ont volé un chariot, ma machine à électricité, et ils sont partis par là. Il y a des traces. L'intelligence qui différencie le canin supérieur de l'équidé vulgaire. Gna gna gna. À Fornox, triple galop. Fornox, la plus grande tirelire du monde. Tu arriveras à rentrer ? Et les gardes ? Non, pas la tête ! Code 40-18-72-00, Rassemblement général des gardes, salle 22. Avec des armes, on aurait pu tous les descendre. Non ! Si, on aurait pu ! Oh ! Allez, rentre au plan. Le temps presse. Le triple galop. Supériorité du destrier sur le rasemote. L'or est à nous ! Gamin, va ! Oh non ! Pas maintenant ! Pompée ! Je comprends pourquoi Avrel a tenu à ce qu'on emporte la machine. Ah tiens, intéressant. On y va. Je me sens bizarre. J'ai éternué. T'occupe, ouvre. Je suis au paradis. Ah ! Non, pas déjà. Comment t'avais prévu d'amener cette montagne d'or au chariot ? Hein ? Comment ? C'est joli ici. Ça brille. Pompée ! Ça m'a l'air de tourner à l'orage. Ça marche plus ! Ça marche plus ! Mais qu'est-ce qui marche plus ? Joe ! Tant pis, à la main ! On a tout l'air de travailler à l'ancienne. Ça sert à quoi d'avoir un gros cerveau si les jambes ne suivent pas ? Mais plus vite ! C'est lourd ! Allez les Dalton, la fête est finie. Moi ? Pourquoi on n'a pas d'armes, Joe ? Parce que voler des armes, c'est le plus sûr moyen d'être repéré ! C'est idiot ! Avrel est un génie. Oh, enfin, enfin ce moment tant attendu. Hé hey. J'en pleure presque. Avrel avait parlé d'une surprise. Du caramel. Quelle bonne idée. Oh. C'est qui le seul génie de la famille ? C'est toi, Joe ! Tu ne peux pas refuser le défi, cheval. Des chocolats ? Tu l'as échappé belle, hein ? Oh, je m'en serais sorti. Le chocolat blanc ? C'est bon aussi.
I'm a full lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. Dalton, vous avez une lettre. Une lettre? Pour nous? Qu'est-ce qu'il dit? Mes chéris. C'est pas une facture, c'est déjà ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai rencontré un être merveilleux. Il se nomme Horace. Nous nous marions dans 3 jours. Je suis sûr que vous aimerez, comme il vous aime déjà, celui qui va devenir le nouveau chef de famille. Je vous embrasse tendrement. Votre maman. Signé Ma Dalton. Félicitations, les gars. On s'évade plus, Joe. T'es drôlement pressé d'assister au mariage, Joe. C'est pas un mariage que je vais assister, mais à un enterrement. J'espère qu'il y aura des dragées au mariage. Des dragées? Ah, ça y en aura. Faites-moi confiance. Vous croyez qu'on aura un petit frère? Avril, la ferme! Cet Horace, je lui réserve un chien de ma chienne. Ce lapin ressemble à un Dalton. Vous en avez mis du temps. Si vous ne voulez pas être en retard à la cérémonie, faut y aller. À la cérémonie? Je comprends pas. L'administration vous octroie 2 jours de congé pour le mariage de Ma. Bien entendu, je fais partie de la noce. Je vais commencer par descendre Lucky Luke, ensuite je règle son compte à Horace. Non, d'abord Horace et après Lucky Luke. Non, Lucky Luke en premier, puis Horace. Oh, ma Vénus, sans nul autre pareil. Encore 2 longues journées avant que ce corps de déesse, ses lèvres de vermeil et ses yeux bleus azur ne soient en moi pour toujours. Horace! Mais je ne savais pas que mes yeux noirs étaient bleus. C'est parce que le ciel s'y reflète, ma perle de l'ouest. Ah bon? Oh, ma douce, entendez-vous cette voix qui se lève du firmament et qui nous dit... Maman, c'est nous! Avril, Jack, William, Joe, ils sont là! Je croyais qu'ils purgeaient une peine de 1473 ans de travaux forcés. Ils ont dû s'évader pour assister au mariage de leur maman. Oh, les braves garçons! Voilà qui contrecarre sérieusement mes plans. Bon, mon vieil Horace, il va falloir la jouer finement. Avril, mon tout petit. Bonjour, Ma. Bonjour, Ma. Oh, mes chéris, comme c'est gentil de... Déjà? Vous inquiétez pas, Ma, c'est une permission officielle. Je les reprends dans 2 jours.
D'ici là, ils n'ont pas mis la région à feu et à sang. Aucun risque. Mes petits anges seront sages comme des images, n'est-ce pas? Oui, ma... Mes chers enfants, quelle joie! Ma m'a tellement parlé de vous. Vous pouvez m'appeler papa. Papa! Je vais te détruire, je vais te réduire en bouillie, je vais te... Joe, laisse ton frère tranquille. Vous êtes de la famille? En quelque sorte. Lucky Luke. Lucky Luke. Enchanté. Horace Lafayette Jackson. Je suis le fiancé de Ma Dalton. Vous devez être affamé, rentrez. Qu'est-ce que t'as fait à ton jardin, Ma? C'est Horace qui l'a bêché. Un jardin a besoin d'être aéré de temps en temps. Le jardinage, c'est mon hobby, William. Non, moi c'est Avril. Du calme, Joe. Patience, Joe. Faisons un peu connaissance avant de le descendre, Joe. Eh oui, la première fois que j'ai vu votre maman, ce fut le coup de foudre. Son charme, sa voix, son allure. Tout chez elle m'a conquis. Le bruit de ses pas au petit matin, ses cheveux, sur l'oreiller, simplement éclairé par un rayon de lune. Je peux encore avoir des crêpes à la mélasse, Ma? Bien sûr, mon chéri. J'ai assez fait connaissance. Voyons, Jack, calme-toi. Moi, c'est Joe! Rassurez-vous, Horace, Joe a toujours tiré comme un sagouin. Avril, je sens un léger malentendu entre nous. Joe! Mais y a de l'ambiance ici. C'est Joe qui souhaite la bienvenue à Horace. Ah, il tient bien de son père, celui-là emporté, mais le cœur sur la main. Mon instinct me dit que cette créature poilue doit être un chat. Et les chiens adorent chasser les chats. Un tigre ! Je suis tombé sur un tigre ! Joe, c'est l'heure du bain. Oh non, Ma ! J'en ai pris un l'année dernière. Les dents d'Achillis, que courant de dot ! Ce n'est pas un métier ! Alors, où en est Lucky Luke ? Il dort ! T'en es sûr ? Je lui ai demandé s'il dormait, il m'a répondu oui. Parfait ! Bon, tu vas aller au village dire à Horace que Ma lui donne rendez-vous près du puits. Et qu'est-ce qu'il y a ? Ma ! C'est terrible ! Ta voix, ton visage, t'as de la moustache. Soir, Avril. Soir, Luc. Joe est toujours un peu nerveux, à ce que je vois. C'est pas Joe, c'est Ma. C'est la première fois qu'elle lève la main sur moi. C'est la première fois qu'elle a de la moustache aussi. Sacré Ma! Elle a gardé tous nos vieux jouets. Joe... Ma a l'air d'y tenir à son fiancé. C'est vrai ça, Joe, tu vas lui faire de la peine. Elle en saura rien. Ça aura l'air d'un accident. Rentre en plan, où étais-tu passé? Le prévenir. Il faut. Il y a un tigre. Ici. Attends, j'ai... Je n'avais jamais vu un chien s'endormir aussi vite après une sieste. Quant à moi, une petite sortie nocturne s'impose. Bouge pas, papa, hein? Je vais lui dire que tu es là. Qu'est-ce que cette vieille bique me veut à une heure pareille? Peut-être qu'elle va enfin me dire où elle a planqué son magot. La voilà. Allez, Horace, c'est la dernière ligne droite. Oh, astre de ma vie! Quand vous apparaissez, les étoiles perdent leur éclat. Horace, grand fou! Laissez-moi deviner, ma douce. Vous avez l'intention de révéler à votre grand fou d'Horace
quelque chose que vous lui cachiez. Un flingue. Où est-ce vraiment flingue? Vous savez que je suis prêt à tout partager avec vous. Venez dans mes bras, mon aimé. Oh, j'aurais pas dû mettre autant de jupons. Dommage que Jolly Jumper ne soit pas là, lui qui adore le théâtre. Oh, la petite coquine. On est d'humeur taquine, hein? Venez, coquine! Où ton flingue? Vite, mon flingue! Vos lèvres, mon amour. Je ne suis pas celle que vous croyez. Avril, voyons. Pas Avril! Joe! Tiens! Jolly aurait adoré. Mais qui fait tout ce bruit à une heure pareille? Mon vieil Horace, il faut mettre en priorité ce nabo de ton côté. Hé! Hey! Oh! Bon, Assyrie, un peu d'action maintenant. Je ne te savais pas adepte des bains de minuit, Joe. Faute de grive, on plombe des merles! Désolé, Joe, mais ce n'est pas l'ouverture de la chasse. Excuse-moi deux minutes, vieux. Vieux? Je suis plus jeune que lui. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Là-dessous, quoi? De quoi il parle, les gars? Oh, désolé, Lucas, mais je sais pas de quoi tu parles. Je veux parler de ça, Joe. Je vais le descendre! Je vais le descendre! Joe, si tu descends, Horace, on va tous se recevoir une raclée. Déjà qu'hier soir, à mon accolé une? Je parlais de Lucky Luke. Autant pour moi. Là, ça va un peu trop vite pour moi. Il faudra mettre un suppositoire en rentrant, Joe. La suite du spectacle est en ville, Jolly Jumper. Suivons-les. Hé, hey, me laissez pas seul avec le tigre. Oh non, pas ce chien imbécile, il va nous gâcher la sortie. Je sens confusément comme de l'admiration de la part de ce brave cheval. Ne le décevons pas. Je vais rester près de lui. Bonjour, Ma. Alors, c'est le grand... Les Dalton! Tiens, ce vieux Foster. Ça fait une paye qu'on lui a pas rendu visite. Ça fait du bien de revenir chez nous. Hein, Joe? Rentrons ici. Armand, vous êtes là? J'ai failli attendre. Si au moins il ne lui manquait que la parole. Oh, Jolly, arrêtons là. Hé, hey, Seigneur Cowboy, tu es au courant? Il paraît qu'il y a un mariage dans cette ville. Ouais, ça se pourrait. Luigi Paparazzi, photographe, baptême, mariage, pendaison. Lucky Luke, Cowboy. Jolly Jumper, cheval à tout faire. Lucky Luke? Les Lucky Luke? Je peux vous photographier? Dites! Juste le temps de trouver mon appareil. Vous les vendez, vos photos? Choisissez celle qui vous plaît. Je vous l'offre. Mais vous pouvez prendre la pose, comme si vous arrêtiez les Dalton. Ouais, ça peut se faire. J'ai l'impression d'être déguisé en banquier. Dommage qu'il avait plus du tissu jaune à rayures. Je m'étais habitué. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas très inquiétants, là. Comment ça, pas l'air inquiétant, mes enfants? Ce sont des Dalton, fils et petits-fils de Dalton. Et chez les Dalton, on a toujours été inquiétants. Tu sais défendre tes enfants. Plus inquiétant que nous, y a pas, maman. Mais Horace, que signifie... Ma douceur, je ne pouvais me résoudre à l'idée que ce cow-boy ramènerait un jour vos... Que dis-je? Nos fils au pénitencier. La pensée même que notre famille puisse encore être séparée me remplissait d'horreur. J'ai donc préféré les tourbilles.
Horace, quelle belle âme. Tu es Lucky Luke, tu es Lucky Luke. Personne ne tue personne le jour de mon mariage, petit garnement. Enfermons-le dans la grange le temps de la cérémonie. Vous vous évaderez après. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Vous pourriez la refaire? Je n'étais pas prêt. Mais on se connaît, vous êtes... Horace Lafayette Jackson, futur beau-papa des Dalton. Si vous le dites... Allez, Joe! Un effort, Joe! Tu peux le faire, Joe! Je peux pas, j'y arrive pas! Vous verrez, je veillerai sur Ma pendant que vous irez attaquer des banques, piller des diligences, voler des trains. Bon, d'accord, Horace. Tu as prouvé que tu étais de notre côté. J'accepte! Je te donne la main de ma mère! Vous ne le regretterez pas. Tout le monde est prêt? Oh, Ma, on dirait une nymphe. Que dis-je? Aphrodite, sortie du bain. Vile flatteur. Bon, on y va. Ne faisons pas attendre le pasteur. Wop, bon sang! Allez-y, je vous rejoins. J'ai un petit travail à finir. Dis-moi, Joe. Moi, c'est Avrel, papa. Alors dis-moi, Avrel, vous avez bien un petit magot caché quelque part? Un magot? Non. Le grand Lucky Luke transformé en saucisson. Oh, je vais m'en payer une bonne tranche. Il répète un numéro de cirque. J'ai toujours aimé le cirque. Regarde ce que m'a offert beau papa. Si j'en juge à la bosse que j'ai sur le crâne, Horace a passé avec brio son examen d'entrée dans la famille. Exactement, il entre et toi tu sors. Je suis sûr qu'il fera un bon mari pour moi. Dommage qu'il soit déjà marié. Comment ça? Déjà marié? Un cirque, ça explique la présence du tigre. J'ai la preuve de ce que j'avance. Montre-la moi ou je te descends. Non, descends-moi et je te la montre. Une fois que tu m'auras descendu et que je te l'aurai montré, tu pourras toujours me descendre. T'essaies de m'embrouiller. Voyons, Joe, il est impossible d'embrouiller un esprit aussi simple que le tien. Si tu me détachais, ça serait peut-être plus rapide, non? J'ai raté. J'ai raté. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde. Quand je pense à tous les faire-part que j'ai distribués. T'inquiète pas, Ma. Jack s'en occupe. Un petit pactole, on t'aurait quelque part? Un pactole? Non plus, papa. J'espère que Joe ne sera pas trop en retard. Je vais en faire de la crêpinette. Horace est malin. Il trouvera toujours le moyen de convaincre Ma de sa bonne foi. Non, ce qu'il faut, c'est l'amener à se démasquer. T'as une idée, je suppose? Ça se pourrait. Pas terrible. Je vais leur montrer, moi, ce que c'est qu'un vrai numéro de cirque. Je vais leur faire un triple salto avant. Ils sont gros. Mon laurier rose, nous ne pouvons plus attendre. J'en connais un qui va se recevoir une de ces déculottées. Bon, on commence. Nous sommes tous réunis en ce lieu pour célébrer l'union de deux êtres qui ont décidé de devenir mari et femme pour le meilleur et pour le pire. Si l'un d'entre vous a quelque chose à dire contre cette union, qu'il le dise ou qu'il se taise à jamais.
Moi, j'ai quelque chose à dire. Ah, Joe, enfin. Cette crapule est déjà mariée. Quelle est donc cette affabulation? J'ai une preuve, une photo de son précédent mariage. C'est un coup monté. Ma, votre fils s'est toujours opposé à notre amour. Et j'ai ramené sa femme. Personne ne bouge ou je bute la vieille bique. Ce cher Horace, toujours aussi poète. Ah, je suis une vieille bique. Mais mon trésor. Hey, ne bougez pas, ça va être flou. C'est pas ce que je visais. Un numéro de tir. Le spectacle s'améliore. Le tigre. Ils ont laissé s'échapper le tigre. Ça vous va bien? Fin du sursis, Lucky Luke. Fais tes prières. C'est moi qui l'ai, la nanère. Personne ne bouge. Bon, la fête est terminée, on rentre au pénitencier. Un moment, Luc. Ils ont le temps de prendre un petit goûter avant. Alors comme ça, t'as été marié 14 fois? 14 fois, en effet. Et chaque fois, t'es parti avec leurs économies? Chaque fois. D'ailleurs, à ce propos, maintenant, vous pouvez me le dire. Votre magot, où est-ce qu'il était planqué? Notre magot? Quel magot? Allons, allons, les plus grands bandits de l'Ouest ont forcément un magot. Toutes ces banques que vous avez dévalisées. Bah, on n'a jamais eu le temps de planquer ce qu'on avait volé. Lucky Luke nous a toujours arrêtés avant. Monsieur le directeur, le nouveau se tape sur la tête avec sa masse au lieu de taper sur les cailloux. I'm a poor lonesome cowboy. Chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est ça, tas de feignants. Disparaissez de ma vue. Abandonner les fouilles du siècle si près du but, bande de lâches. On ne coupe pas les crédits à la science. Je me plaindrai au président des États-Unis. Mais il radote, n'a besoin de personne. Je découvrirai la momie du roi Astico Sec, tout seul. On verra leur tête quand je recevrai la Golden Cross. Hein? Mais... funéraire. Le tombeau d'Astico Sec, enfin.
Asticosec, le grand roi Asticosec. Je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes, je vais avoir mes palmes. Non, mieux, la Golden Cross. On dirait que le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp a trouvé quelque chose. Brève dans plume de cheval, notre chef. Chouette, un pied tendre. Je m'occupe des plumes. Merci, monsieur. Ces coutumes locales font perdre un temps fou. Professeur Ilradot, archéologue de renommée internationale, je viens d'exhumer un trésor inestimable. Lucky Luke, cow-boy solitaire, je viens de faire une sieste de 2 heures sur ce rocking chair. Ravi. Maintenant, excusez-moi, mais je dois me trouver demain à Santa Fe pour prendre le train de Washington. Santa Fe, la route n'est pas facile. Elle longe le territoire des Grands Nez. Les Grands Nez? Aucune inquiétude. Je transporte le corps momifié de leur grand ancêtre. Justement, je ne crois pas qu'il soit enchanté à l'idée de le voir prendre le train, à son âge. Voyons, je ne vois pas pourquoi. Un tel trésor archéologique appartient au patrimoine mondial. De plus, ça fait 2 ans que je creuse la montagne à la recherche des vestiges de la civilisation pastèque. Et les Grands Nez ne m'ont jamais importuné. Qu'est-ce qu'il y a dans ce drôle de cercueil? Un cadavre. Enfin, une momie. Une momie? C'est quoi une momie? Eh, on veut voir? Ouais, montrez la momie. Ouais, la momie! La momie! La momie! La momie! La momie! La momie! Entendu. Puisque vous insistez, je vais étancher votre soif de culture. Le dernier grand roi pastèque, Asticosec, vivait il y a 8 siècles. Certains voient dans les pastèques les ancêtres des tribus du Nouveau-Mexique. Blabla, la momie! Ouais! Bon, bon! Oh! Tiens, ils ont installé une baraque à frites. Mesdames et messieurs, voici la momie d'Asticosec. Oh, c'est pas une baraque à frites, c'est une ambulance. Tiens, tiens. Le talisman. Quoi, c'est ça une momie? Un vieil épouvantail couvert de bandelettes? Oh là là, c'est Jean de l'Est. Pauvre homme, il a l'air bien mal en point. Je vais lui lécher les mollets. Touche pas à ma momie, le chien. Non, j'ai pas encore eu le temps de tout analyser. J'ai mes poussières d'ancêtre. Qu'est-ce que tu lui veux à mon copain, toi? Rocky Blitz, croque-mort de père en fils. Mourez, nous ferons le reste, c'est notre devise. Permettez-moi de vous féliciter pour votre découverte. Ouh, superbe défunt, dans un état de conservation exceptionnel. Merci. Quelle technique d'embaumement utilisait-on du vivant du mort? Hélas, cher monsieur, les secrets des pastèques ont disparu avec leur civilisation. Il faudrait étudier la momie qui a sans doute une foule de choses à nous apprendre. Je vous l'achète. Monsieur, la science n'est pas à vendre. Votre prix sera le mien. N'insistez pas, vampire mercantile. Si Melondo a dit vrai, nous savons enfin pourquoi le vieux visage pâle qui n'a plus toute sa tête sous son scalp creusait des trous dans le désert. Il cherchait le tombeau du grand ancêtre enfoui depuis des milliers de lunes. Plume de cheval, mon fils, le guerrier qui retrouvera le talisman du grand ancêtre règnera sur toutes les tribus des 3 Amériques, du berceau du soleil à son tombeau. Le vieux visage pâle fou qui fait des trous dans le désert a volé le grand ancêtre.
Les grands nés doivent reprendre le grand ancêtre des mains des visages pâles. Plume de cheval a parlé. Vous ne devriez pas prendre seul la route de Santa Fe. Jeune homme, je vous répète que ça fait 2 ans que je creuse dans le désert sans le moindre problème. Oui, mais depuis, vous avez trouvé Astico Sec. Plus moyen de rigoler depuis que ce Lucky Luke est en ville. Tiens, voilà le sang mêlé. 100 $ pour tendre une fausse embuscade au vieux fou, ça vous intéresse? Fais toujours voir la monnaie sans mêler. Oh! Et on dit que l'argent n'a pas d'odeur. La moitié tout de suite. Moi aussi, je veux la moitié tout de suite. Ça nous intéresse pas. 1 000 $, je peux vous donner 1 000 $. Mais bon, je les ai pas sur moi. Assieds-toi et raconte sans mêler. Les grands nés, reprendons le grand ancêtre des mains sacrilèges des visages pâles. Ainsi, Plume de cheval, votre chef, portera autour de son cou le talisman d'Astico Sec et règnera sur toutes les tribus de la nation indienne. Je rappelle à Plume de cheval que la légende dit que le talisman d'Astico Sec doit aller au plus brave d'entre les braves. Le chef est toujours le plus brave d'entre les braves. Ça se discute. Voyez, jeune homme, j'ai tenu compte de votre conseil. Ce garçon a bien voulu m'accompagner jusqu'à Santa Fe. Son père était un grand nez. Alors comme ça, pas de problème de grand nez. Eh bien, moi aussi, je vous accompagne. Santa Fe est sur ma route. Voilà, on va encore voyager avec une bande de dingues. Je dois aller à Santa Fe pour les clous. Puis-je me joindre à vous? Si vous y tenez. C'est la première fois que je fais un tour en ambulance. Il me faut cette momie. Je l'autopsie. Je trouve le secret des embaumeurs et les rupins se battront tous pour se faire momifier. Fini les enterrements à la petite semaine. Suis-je mauvais tout de même? Oh! Attendez-moi là, je vais voir ça de plus près. Tout va bien? Le talisman, ma momie, la Golden Cross, ils les ont volés. Par où sont-ils partis? Le talisman par là et la momie par là. Je voulais simplement la mettre à l'abri. Merci du fond du cœur, merci de l'intérêt que vous portez à ma momie. Laissez-vous. J'ai senti comme un choc. Il s'est passé quelque chose? Quelqu'un a-t-il un mouchoir blanc? Oh, tiens, méchant! Lucky Luke demande un pow-wow avec le chef des grands nez. Pow-wow inutile! Ou les visages pâles nous rendent le grand ancêtre, ou ils finissent dans le ventre des vautours. Au corbillard. Tortue Morose propose une série d'épreuves pour déterminer qui est le plus brave d'entre les braves. Tortue Morose commence à courir sérieusement sur le haricot de Plume de cheval. Tiens bon, mon vieux, tu vas t'en sortir. J'ai entendu dire que les Chinois avaient une excellente médecine. Bon, attendez-moi ici, je récupère le talisman. Ensuite, nous nous occuperons de la momie. Si possible, sans déclencher une guerre indienne. Aujourd'hui commence le règne de Belette Timorée Ier. À
Alors, pour les épreuves, je propose que nous... Si un autre guerrier veut mettre en doute la bravoure de Plume de Cheval, il ira tenir compagnie à Tortue Morose. Ils vont sûrement l'opérer. Voilà le chirurgien. Le retour du grand ancêtre marque le début du règne des grands nés sur toutes les nations indiennes. Oh, le talisman! Ces maudits visages pâles ont chouravé le talisman! Qu'avez-vous fait du talisman? C'est Lucky Luke, le grand type à la mèche. C'est lui qui a le talisman, je le jure. Il est parti à Moondance. C'est pas lui, c'est... Il ne doit plus y avoir un seul peinture lurée au camp. Profitons-en! Mais pourquoi avez-vous accusé Lucky Luke? Pouvez-vous me tenir 7 secondes, cher ami? Bien sûr. Oh! Vive le Timoré Ier, empereur des Trois Amériques! Son Altesse Belet Timoré Ier, Majesté. Vive Belet! À propos, Majesté, tu nous dois 1000 $. Oh! Lucky Luke! Belet Timoré, redescends sur Terre, tu n'as aucune chance. Bien faire. Bon, je sers plus à rien alors. Les gros nez! Oui, posez votre question. Plume de Cheval sait que Mèche en croissant de lune est un guerrier valeureux. Plume de Cheval ne veut pas la guerre. Il veut simplement le talisman du grand ancêtre. Et si Mèche en croissant de lune refuse? Les grands nés mettront la ville à feu et à sang. Donnez-lui le talisman! Bon, c'était juste une question comme ça, pour faire la conversation. Bon, maintenant il va falloir retrouver Radot et lui expliquer que les grands nés ont la momie et le talisman. Je ne vois pas où est le problème. Nous avons rendu au grand nez ce qui était au grand nez. Arrêtez d'embêter mon copain, sale flamant rose! Cette silhouette. Oh, le fantôme d'Abraham Lincoln! Gentil chien-chien, va chercher! Repos complet pendant 3 mois minimum. Nos 1000 $! La momie est vivante! La momie est vivante! La momie est vivante! Hé! Hey, mon cheval! La momie est de retour! Elle n'est pas contente. Où suis-je? Toujours dans le désert. Je n'aurais jamais dû vous laisser seul avec ce scorpion noir de Blitz. Attendez. Excusez-moi, professeur, je reviens tout de suite. Ma momie, sur un cheval. Courir après un corbillard, il ne me l'avait jamais faite, celle-là. Ah! Lucky Luke, enfin, je vous cherchais partout. J'étais derrière vous, vous ne l'aviez pas remarqué? Derrière moi, vraiment? Oh, ben ça alors! Vous êtes allé chez les grands nés? Oui, ben, je leur ai repris la momie et je voulais vous la rendre, naturellement. Je vous sens incrédule.
Je vous assure, je l'ai vue. Elle était sur un cheval au galop. Je ne comprends pas. À votre avis, pourquoi Belette Timoré a-t-il voulu voler le talisman, professeur? Il y a 800 ans, Asticosec régnait sur les tribus indiennes du sud de l'Amérique. La légende dit que le guerrier qui retrouvera le talisman d'Asticosec régnera sur toutes les tribus d'Amérique. Rien que ça. Le grand ancêtre est parti. Il s'en est retourné chez ses ancêtres. C'est ma faute. Si j'étais resté, le fantôme d'Abraham Lincoln n'aurait jamais mangé mon copain. Plus jamais j'oserais sortir au grand jour. Le grand ancêtre s'en est allé le cœur rasséréné, car il sait que Plume de Cheval poursuivra son œuvre. Yak, 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 yak. Bientôt, Plume de Cheval sera le chef de toutes les tribus. Plume de Cheval n'a pas raison. Plume de Cheval n'avait pas l'intention de voler le talisman au grand ancêtre. Il pensait simplement qu'il n'en avait plus besoin. Le talisman doit revenir au plus brave d'entre les braves. À Belette Timoré. Belette Timoré? Lui-même. Le grand ancêtre rigole. Belette Timoré est un péteux. Le talisman doit revenir à Plume de Cheval, car il est le chef des grands nés. Belette Timoré n'est pas un péteux. Il aurait dû être chef des grands nés à la place de Plume de Cheval, comme son père, Cerf Dépressif. Cerf Dépressif a trahi les grands nés pour suivre une psychanalyse chez les visages pâles. Bison Roublard, le père de Plume de Cheval, est devenu chef des grands nés et Plume de Cheval lui a succédé. C'est normal. Non, c'est pas normal. Vous voyez, je ne radotais pas. Il y a bien une deuxième momie. Radote, je vous avais dit de surveiller vite. Une momie vivante. Oh, quelle découverte pour la science. Avance, cachasson. Ah, tiens, Lucky Luke. Déjà de retour. Alors, cette petite reconnaissance. Ce trou me fait penser que j'ai un petit creux. Oh, oh, mon copain. Il est revenu, guéri. Belette Timoré doit devenir chef de toutes les tribus. Sinon, de grandes catastrophes s'abattront sur la nation indienne. Bof, au point où elle en est. Sinon, je reviens toute la nuit tirer les orteils de Plume de Cheval. Copain, à quoi on joue, dis, hein, hein, dis. Ah, encore ce chien. Tire-toi, sale Gleps. Qu'on massacre ce chien. Ah, c'est Luc Muche. Faut toujours qu'il casse l'ambiance au moment où on s'amuse le plus. Quel rabat-joie. Charmant tableau de famille. Il ne manquait plus que l'ancêtre. Elle est à moi. Je l'ai vue en premier. Je dois l'autopsier. À moi. Ne laissez pas autopsier votre grand ancêtre. À moi. Je suis vivant. Ce grand ancêtre est un péteux. Il a peur du vieux visage pâle. Il ne peut être le grand ancêtre des grands nés. On va en avoir le cœur net. Belette Timoré? Belette Timoré? Je vais aider mon copain à défaire ses pansements. Le talisman a choisi Blaireau Indomptable, le plus brave d'entre les braves. Blaireau Indomptable sera le chef de toutes les tribus indiennes. Laissez-moi sortir! Blaireau Indomptable n'a pas peur que le grand ancêtre vienne toutes les nuits lui tirer les orteils? Le grand ancêtre a seulement parlé des orteils de Plume de Cheval, non? Le talisman revient, arme de fringant! Reste en rire, Matic veut lui aussi être le chef de toutes les tribus! Non, un taureau étourdi! C'est lui le plus brave d'entre les braves! Et si nous rendions le talisman au vrai grand ancêtre? C'est la sagesse qui parle par ta bouche, mèche en croissant de lune. Faisons un beau haut. Sortez-moi de là! Maintenant que le talisman est revenu au grand ancêtre, le grand ancêtre doit revenir à la science. C'est le grand ancêtre de qui d'abord, hein? Des grands nés? Alors, il reste chez les grands nés. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Sa place est dans un musée. La place du grand ancêtre des grands nés n'est pas dans un musée de visage pâle. Capitaux! Il y a peut-être une solution qui arrangerait tout le monde. Hé! Sortez-moi de là!
fait une rechute. Le musée est un succès, grâce à vous, Lucky Luke. Mais question sécurité, vous ne croyez pas que... Aucune inquiétude, professeur. Les grands nez surveillent. Et se surveillent. Mon cher Blitz, je m'occuperai personnellement de votre remise de peine. Votre idée d'apprendre hors la loi un métier en rapport avec l'activité habituelle du pénitencier est excellent. En tout cas, à 3 dollars la pierre tombale, l'administration pénitentiaire se fait un joli petit bénéfice. Oui, on reste dans la tradition. Casser du caillou. I'm a bold lonesome cowboy.